Comme on a mon bac Ramazan, il y a personne vivant avec handicap. Navandi a en États-Unis d'Amérique, Caroline du Nord. Tant on a commencé à en États-Unis, na eko mo na ndenge bazo yamba ba personne handicapée, a en ndenge bazo traiter ba personne handicapée. Et ça là qui ngai vraiment passe mingi na sala quand même quelque chose na mboka nanga. Yango na bandaki ONG oyo ba bengi Neema for Venerable People Foundation. Oyo to bandi na province ya Maniema pour que un jour e fongwama na province nyonso. Awa na kati États-Unis na zana conteneur mobimba ya biloko oyo singili kita na RDC pona kosala ba formation ya ndenge na ndenge et surtout biloko ya kinésithérapie pona kosoigner bana mike ba traiter bango po mwana muke soki azui traitement comme ko changer ba appareil na âge oyo azali na ngwa muke tango koma ba 15 18 ans bon mona ke a récupérer ba partie mosusu ya nzoto ole ke atikala na ba déformation moko oyo ndenge bokomona na ba vidéo wana yango tozo senga na premier dame ya mboka na biso tozo senga na président de la république tozo senga na ba konzi ya mboka oyo bazana ba moyen ba homme d'affaires ba diaspora congolais boko ka ko soutenir biso mama Denise mama Olivier Lembe Matata Ponyo, Albert Yuma, Batonyo Soana, Batambo Mwamba, Nani, Boko Kako Ede Biso de Faso, Ketoko Kako Tonga, Centre Wana, Bat Docteur Bazalia, Basi Bandimiko Kendeko Sala Banana, Opération, Na Cadre ya Humanitaire. Alors, Tuzana Babatimate, Tuzana Terre, déjà 500 mètres carrés, Oyo, Bazo Senga Biso, $500,000 pour tout construire 4 bâtiments. Alors, toujours, c'est une aide à la c'est bonne volonté à Koyoka, Kolela Nabiso, Yango Toleki, et Père Papa Sango Israël, na émission na ebo solo na politique, akoka ko lobile la biso na bakonzi na bande ko mosusu yo bolanda ka solo na politique partout bozali dans le monde boko ko aider biso pona ko contacter biso il faut il ko benga ka biso na WhatsApp na biso zali plus 1 336 247 2805 wana okozwanga okoyebisanga oyo za na posa ya kosala na koyebisa ndeni ni oki kopesa pe lisungi nayo oza pe na bilamba oza na ba couverture ozali na ba moustiquaire toza na pasi mingi bana bazobela makasi bana na bayaki wana mpona koluka lisungi botala niveau bato bazali kovanda botala pe solidarité ya bamama paysane ya mboka likambo oyo basali. En tout cas, ndeko partout aux alliés, ceux qui bozui na yo, ceux qui mouki aux anango, aux reconnaître que outa qui peut en zambé, songa ba vulnérable wana. Zambé akopambola yo. En tout cas, pour na lelo, na kanisi na remercier bino mingi, ceux qui peut lingi ko songa biso na nzela ya GoFundMe, kende kaka beta kaka Ramazani okomona place une photo ya bana na drapelé ya nani na logo ya Neema ko bima. Cliquez wana okopesa don ayo ou bien oki kobenga biso na cash app osalipe don ayo ndenge motema na yo esengeli sala kosunga moto ezalaka kozela kozwa ebelete eloko tozoboya kaka nde promesse kobenga te pona promesse po soki totali ba promesse toyebi sou place ya kotia yango te moko te ezalaka realize. Merci Nzambe apambola bino partout bozali dans le monde que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Amen. Zambé a kopambola yo. En tout cas, pona lelo, na kanisi na remercier bino mingi. Ceux qui peuvent lingi kosonga biso na nzela ya GoFundMe, kende kaka beta kaka Ramazani okomona place une photo ya bana na drapelé ya nani na logo ya Neema ko bima. Cliquez wana okopesa don ayo ou bien okiko benga biso na cash app. Osalipe don ayo ndenge motema na yo esengeli sala kosunga moto ezalaka kozela kozwa ebelete eloko tozoboya kaka nde promesse kobenga te pona promesse po soki totali ba promesse toyebi sou place ya kotia yango te moko te ezalaka realize. Merci Nzambe apambola bino partout bozali dans le monde que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Amen. Donc, les a amené des problèmes par rapport à leurs conditions de vie, la maladie, surtout pour les femmes. Il y en a tant de maladies contagieuses pour eux vis-à-vis de leurs organes génitaux. Alors, ça crée toujours des problèmes avec des femmes. Voilà pourquoi nous demandons toujours aux autorités de pouvoir soutenir l'ONG Neema
afin que qu'on puisse trouver quand même des chaises, des fauteuils roulants, des béquilles et d'autres choses pour servir ces enfants. Imaginez-vous, ces enfants, ils sont en train de marcher comme ça. Alors, pour se déplacer depuis ici jusqu'à l'école, ça serait comment? Alors, si, par exemple, il pleut, il y a la pluie, sous la boue, est-ce qu'ils peuvent marcher? Question mark. Deko, ça a quelque chose pour Nabana Oyo. Nous continuons toujours à demander aux autorités du pays, surtout au numéro 1, son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi, de pouvoir songer aussi à ça. Parce que le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Congo est un mounéne. Il faut attendre là. Il faut que tu fais un tour dans des provinces, par là où tu vas découvrir d'autres choses comme des histoires pareilles. Ailleurs, ça n'existe plus les gens qui marchent à terre, mais c'est uniquement au Congo que ces histoires arrivent et que ces histoires existent encore. Et c'est trop dangereux, surtout pour les femmes, par rapport à leur organe génital. Voilà pourquoi nous demandons, Maman Denise, Maman Olive, Maman Janine Mabunda, Maman Jetred Kitembo et d'autres femmes leaders, de pouvoir aider ces personnes vivant avec handicap. Car les aider, ça va donner quelque chose de bien. Et Dieu aussi va vous bénir et Dieu aussi va vous élever. Congo ezaka Kinshasa te, Congo eza munene, il faut pe ko tambola. Bon mon ape ba kwa mosusu, c'est par là où vous allez découvrir comment est-ce que les gens sont en train de vivre, comment est-ce que les gens sont en train de souffrir. Comme ces enfants qui sont en train de souffrir ici au Maniema, plus précisément dans le territoire de Pangi. Je crois que vous êtes en train de voir les images, comment est-ce qu'ils se débrouillent pour marcher. Vraiment, songez à ça et Dieu va vous bénir. Merci. Des conditions en tout cas très, très, très pénibles. Il n'y a pas même de lit, aucun lit ici dans cette chambre, voire même aucune moustiquaire, c'est-à-dire ce sont des conditions là très pénibles, les conditions qui peuvent, en tout cas, qui font en sorte que ces femmes ou ces enfants peuvent même se contaminer elles-mêmes, voire même avoir des maladies. C'est pourquoi nous continuons toujours à supplier les gens qui ont les moyens, les gens qui ont la bonne volonté d'aider ces enfants, au fait de venir en aide, d'aider ces enfants. Ils passent dans de mauvaises conditions. Il n'y a pas de lits, il n'y a pas de moustiquaires, il n'y a aucune moustiquaire ici. Ils passent au sol. Et ce sont des mauvaises conditions là que nous déplorons et nous demandons votre aide, votre aussi visite ici, ce sont des bonnes choses, d'aider ces enfants pour au fait que ces enfants ne puissent pas se contaminer eux-mêmes. C'est parce qu'avec ces conditions que nous-mêmes nous déplorons, ce n'est pas des conditions bonnes. Je crois que le message arrive aux patrons de notre province, aux gens qui ont les moyens, aux gens qui ont une bonne volonté. Et les jours à venir, ils vont aider nos enfants, ils vont aider ces filles qui passent dans des conditions, en tout cas, très, qui sont mauvaises. D'affaires, d'une chambre à une autre. Après avoir visité les chambres, la chambre des filles, maintenant, nous sommes ici à la chambre où les enfants, les garçons vulnérables passent nuit. Toujours dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire les mêmes cas. Il n'y a aucune moustiquaire, ils passent nuit comme ça, comme vous voyez ici. En tout cas, ce sont des choses là que nous déplorons et toujours nous supplions les gens qui ont les moyens, les autorités de notre province, de notre territoire, de notre pays, d'aider ces enfants vulnérables de Kalima qui sont au centre pour handicapés. Je crois très bien que ce que nous demandons ici, d'aider ces enfants avec des lits, avec des moustiquaires et autres choses, voire même la nourriture. Et ils peuvent même se contaminer en passant nuit dans des mauvaises conditions que vous voyez ici. En tout cas, trop angoissés dans une petite chambre. Ce sont des mauvaises conditions. Et toujours nous lançons un appel vibrant aux gens de bonne volonté. Merci Augustin, bonjour. Nous voyons aujourd'hui, nous retrouvons au centre pour handicapés, en train de sourire. Pourquoi tout simplement vous êtes là aujourd'hui? Parce que les journalistes viennent visiter.
leur passage est ici, nous demandons aux dirigeants de notre pays, à l'occurrence de Papa Félix Tshisekedi, Maman Denise Nyakeri, Maman Olive Lembe, Maman Janine Mabunda, Maman Gertrude Kutembo-Pau, Papa Emmanuel Ramazan Shadar, Papa Victor Kamer, Papa Matata Mpong Makon, Papa Atamas Matin Lakeri, Papa Olivier, Papa Alexis Kamama, Papa Samuel Sibanga, Papa Général Amis Tampo, Papa Albert Nima, Papa Ogim Safir Mokola, Papa Omana Boutika Pascal, Papa Freddy Matungu, Papa Sambenyama. D'écouter notre plainte, nous pleurons amèrement car nous sommes des enfants vulnérables et handicapés, mais notre moteur fonctionne correctement. Nous demandons votre soutien pour notre scolarité, soins de santé, comme d'autres enfants congolais, afin que demain nous puissions servir la nation congolaise. Nous voulons être prêtés pour bien grandir. Nos parents, nous demandons que vous puissiez soutenir le monsieur Ramazan Moubake afin qu'il puisse construire un centre pour handicapés moderne. Pour notre bien, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'homme Jedel Naema. Merci. Je crois bien que nous suivons tous notre enfant à agir sur des plaidés, de demander l'aide des autorités et des gens qui ont une bonne volonté, aider les enfants vulnérables et handicapés qui sont ici au centre Néhéma. Et là, nous voyons notre numéro 1 de la province, les gouverneurs, l'excellence Augustin Moussafiri, le gouverneur aussi à son adjoint, mais aussi à Maman Gertrude Kitembo, président de l'Assemblée provinciale du Maniema, mais aussi les ministres provinciaux, les députés provinciaux des divers territoires de notre province, les députés de la RDC, c'est-à-dire c'est tout le samedi, des divers territoires de la RDC, mais aussi à les excellences honorables, les gens qui ont des moyens, c'est-à-dire tout le monde, même les gens qui sont ici à Kalima, les gens qui sont à Kindu, à Kabuka, partout, même les gens qui sont, voire même au pays, aux étrangers, d'aider ces enfants, en fait, ces enfants souffrent. Je crois que les mecs qui ont raison, ils pensent comme nous, même si ils sont dans un état là, que vous voyez vous-même, mais on peut quand même aider ces enfants. Grand merci, et ils sont ici avec nous, ils sont logés ici, ils mangent ici, et d'ici là, ils vont commencer, nous allons commencer une série de formations avec ces enfants. Et une façon d'autoprise en charge, en fait, après avoir terminé ces enfants, ils seront, chacun sera à mesure de se prendre en charge jusqu'à la fin de sa vie. Ce sont des bonnes choses. Sourire.
Pourquoi tout simplement vous êtes allé aujourd'hui? Parce que les journalistes viennent visiter. Leur passage est ici. Nous demandons aux dirigeants de notre pays, à l'occurrence de Papa Félix Tshisekedi, Maman Denise Nyakeri, Maman Olive Lembe, Maman Jeanine Lamunda, Maman Gertrude Kouté-Moukawa, Papa Emmanuel Ramazan Shadar, Papa Victor Kamer, Papa Mata Tampon Makon, Papa Atamas Matin Akeri, Papa Ogenyazi, Papa Alexis Kamama, Papa Samuda Sibanga, Papa Général Amis Tampo, Papa Albert Nima, Papa Ogenu Safri Mokola, Papa Omana Vitika Pascal, Papa Freddy Matungu, Papa Sombenyama. D'écouter notre pleur, nous pleurons amèrement car nous sommes des enfants vulnérables et handicapés, mais notre moteur fonctionne correctement. Nous demandons votre soutien pour notre scolarité, soins de santé, comme d'autres enfants congolais, afin que demain nous puissions servir la nation congolaise. Nous voulons être prêtés pour bien grandir. Nos parents, nous demandons que vous puissiez soutenir le monsieur Ramazan Moubake afin qu'il puisse construire un centre pour handicapés moderne. Pour notre bien, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'homme Jeden Nehema. Merci. Je crois bien que nous suivons tous notre enfant à juste de plaider, de demander l'aide des autorités et des gens qui ont une bonne volonté, d'aider les enfants vulnérables et handicapés qui sont ici au centre Nehema. Là nous voyons notre numéro 1 de la province, le gouverneur, l'excellence Augustin Moussafiri, le gouverneur aussi à son adjoint, mais aussi à Maman Jepu Kitembo, président de l'Assemblée provinciale du Maniema, mais aussi les ministres provinciaux, les députés provinciaux des divers territoires de notre province, les députés de la RDC, c'est-à-dire c'est tout le samedi, les divers territoires de la RDC, mais aussi à les excellences honorables, les gens qui ont des moyens, c'est-à-dire tout le monde, même les gens qui sont ici à Kalima, les gens qui sont à Kindu, partout, même les gens qui sont, voire même au pays, aux étrangers, d'aider ces enfants, en fait, ces enfants souffrent. Je crois que les gens qui ont raison, ils pensent comme nous, même si ils sont dans un état là, que vous voyez vous-même, mais on peut quand même aider ces enfants. Là, merci, et ils sont ici avec nous, ils sont logés ici, ils mangent ici, et d'ici là, ils vont commencer, nous allons commencer une série de formations avec ces enfants. Et d'une façon d'autoprise en charge, en fait, après avoir terminé ces enfants, ils seront, chacun sera à mesure de se prendre en charge jusqu'à la fin de sa vie. Ce sont des bonnes choses.
présenter à la presse locale? Volontiers. Moi, c'est Boutalo Abimou Hélène. Je suis une paysanne de Tali. Aujourd'hui, vous êtes au centre pour handicapés et nous vous voyons vous amener les diverses choses que nous voyons ici. Peut-on savoir ce qui vous a motivé d'aider ces enfants? Oui. On a attendu au niveau des radios, au niveau des églises, ici, au centre pour handicapés, il y a des enfants vulnérables, donc moins de 20 ans, qui sont arrivés. Je crois que c'est pour la énième fois que vous venez avec ces diverses choses. Peut-on savoir aussi les messages que vous avez aux habitants de la commune de Kalima, territoire de Pangui, les gens qui n'ont pas aussi l'idée de pouvoir aider les enfants ou les gens, les handicapés? Nous pouvons avoir le seul message d'encourager les parents de Kalima, ou soit d'ailleurs, d'aider ces enfants qui se retrouvent aujourd'hui ici, à ce centre pour handicapés. Et quel est le message qu'il pouvait adresser à l'État congolais par rapport à ces propos ou à ces sujets? Nous n'avons que de pleurer au niveau de l'État, de nous aider à construire un centre pour handicapés. Donc, nous avons plus de 15 ans et de 15 enfants qui se retrouvent dans une seule chambre. Donc, nous pouvons seulement pleurer au niveau de l'État de nous aider à construire un bon centre pour handicapés. Oui, à part ça, vous ne pouvez pas passer porte à porte, en fait, pour sensibiliser les gens de la commune de Kadima. C'est pourquoi nous nous retrouvons avec ce fait que vous voyez avec ici, parce qu'on a passé porte à porte, sensibiliser aux mamans d'aider ces enfants qui se retrouvent aujourd'hui avec ces faits que vous voyez. Serait la dernière fois où Kalakoutimé vous allez évoluer ici? C'est à la Koutimé. Quel est le grand message que vous avez avant que nous puissions terminer? Nous avons le grand message pour seulement remercier ou lever au niveau de la première dame nationale, Madame Denise Nyankeo, Maman Olive Lembe, Maman Janine Mabunda, Maman Gertrude Kitembal, de pouvoir assister massivement à ces enfants. Et les centres pour handicapés Néma afin que ces enfants puissent se sentir comme d'autres enfants comme eux. Merci. Merci, moi aussi. Je vous remercie. C'est la vie, dit-on. Comme nous vous voyons aujourd'hui, c'est chaque semaine, chaque jour, ok, vous pouvez venir ici aider ses enfants. C'est pas chaque jour, ses enfants ont besoin quand même de se baigner et de boire de l'eau. Maman, peut-on savoir comment est-ce que vous allez continuer ici chaque jour, ou hebdomadairement ou mensuellement? Ok, merci. Comme vous dites que l'eau, c'est de la vie pour la personne, nous serons ici, pas chaque jour, mais c'est hebdomadairement. Ah, c'est-à-dire, après chaque semaine, vous pouvez venir ici pour venir aider. Assister. Je crois très bien que ces enfants sont contents avec ce sont des gestes là que nous saluons et nous pouvons que vous suppliez de passer porte à porte, sensibiliser les autres. C'est pas des enfants sont nombreux ici. Oui, en tout cas, merci. Merci à vous. Ah oui, je crois que vous allez propager le message. Je crois bien que vous êtes en train de voir comment est-ce que ces enfants sont en train de se déplacer difficilement. Ils marchent par terre. Ils n'ont même pas de fauteuil roulant. Même, il y en a d'autres.